Je voudrais lancer un appel en faveur d'une famille, un couple avec des enfants que je connais pour les avoir mariés, des gens extrêmement respectables qui malheureusement sont face à des difficultés financières extrêmement importantes. Je veux témoigner du sérieux de cette situation, des difficultés qui sont énormes. Ils risquent aujourd'hui une expulsion. J'appelle donc notre communauté à apporter son soutien. Sachez que, en contribuant à aider cette famille, vous accomplirez une immense mitzvah d'Azdaka. Je pense d'abord mettre en sécurité une famille et je pense beaucoup, bien sûr, au sort des enfants. Je ne veux pas penser que, par manque de solidarité, il y aurait une famille aujourd'hui qui serait à la rue sans toit. Voilà, je compte sur la communauté. Je reste convaincu que les unes et les autres, nous saurons faire front et contribuer généreusement, apporter une contribution pour aider cette famille à sortir de cette impasse. Merci par avance à toute notre communauté. Bonjour, je m'adresse à vous pour vous parler d'une mitzvah d'une importance absolument capitale. Il s'agit d'une famille qui, pour des raisons que je n'exposerai pas ici, se retrouve dans des difficultés financières qui leur paraissent absolument insurmontables. À cause de cela, ils sont menacés d'être renvoyés de leur appartement parce qu'ils n'arrivent pas à payer les loyers. Et ils n'auront donc aucune autre solution pour se loger. Nous ne pouvons pas rester insensibles. Quand quelqu'un se retrouve dans cette situation, c'est toute sa vie et tout son monde qui s'écroule. En tout cas, c'est comme ça qu'il vit la chose. Nos frères et nos sœurs font partie de notre famille et on ne peut pas les abandonner. Voilà pourquoi je vous demande à chacun de faire un petit effort. Ce ne sont pas des sommes qui sont insurmontables. Si on y met tous un petit peu de bonne volonté, qu'on essaie tous de participer, chacun selon notre possibilité, nos possibilités, nos moyens, on pourra les sortir de cela. Ce sera pour eux une véritable délivrance et pour tous ceux qui participeront, une grande source de bénédiction, j'en suis certain. Permettez-moi de vous encourager encore une fois à faire cette belle mitzvah et que si Dieu veut, plus aucun de nos frères ou de nos sœurs